Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de guitare gratuit. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer Eclipse de Pink Floyd. Vous pourrez télécharger la tablature gratuitement sur mon site bassebruno.com ou en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Alors, ce morceau est en 6-8. 6-8 veut dire deux temps ternaires. Chaque temps sera donc divisé en trois croches. Dans la première mesure, on va jouer un accord de Ré majeur qui va jouer sur les quatre cordes aiguës 0, 2, 3, 2. Premier temps, on va jouer la corde de Ré à vide, suivi de la corde de Sol et de la corde de Si. Ces trois notes-là, on va les jouer vers le bas. Bas, bas, bas. Et ensuite, on va remonter trois notes, donc avec un mouvement vers le haut, en partant de la corde Mi aigu. Mi, Si, Sol. Donc ça va donner... Bas, 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 haut. On va garder ce même mouvement dans la mesure 2 où on a un accord de Ré sus 2 slash Do. Pour cela, on va garder le doigt 1 et 3 en place et le doigt 2, on va le ramener en case 3, corde 5. Sauf que tout à l'heure, on commençait par la corde de Ré, là on va commencer par la corde de La. Donc ça va donner 3 coups vers le bas, corde de La, corde de Sol et corde de Si, et de nouveau, O, 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 Mi, Si, Sol. Donc sur la corde 1, corde 2, corde 3. Troisième mesure, troisième accord, on a un Si bémol 6, dièse 11. Et pour ça, on va garder le doigt 3 en place, et on place le doigt 1 sur le Si bémol, en case 1, corde 5, corde de La. Donc il faudra veiller à bien arrondir ce doigt 1 pour faire sonner la corde de Ré à vide. Les trois premières croches seront jouées toujours vers le bas et on va jouer la corde de La, la corde de Ré, la corde de Sol et de nouveau les trois hauts sur les trois cordes aiguës. Donc ça donne... Dernière mesure, on a un accord de La7. On viendra juste poser le doigt 2 en case 2, corde de Si. Et nos trois premiers coups vers le bas seront joués sur les cordes La, Sol, Si et de nouveau les trois vers le haut, Mi, Si, Sol. Je vais maintenant vous le jouer en entier au tempo lent. Voilà, ce cours est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours de guitare gratuit. À bientôt !